Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes. J'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour une pépite. Ouais, alors ce jeu-là, pépite, mais directement vu par l'image. Voilà, tout simplement, je peux pas en dire plus. En gros, j'étais en train de surfer un peu sur les nouveautés et tout ça. Et j'ai vu cette image-là, pas forcément celle-ci, mais celle que vous avez en miniature normalement. Et j'ai dit, putain, ce jeu, il a l'air d'être terrible. Il faut que je teste un platformer 2D basique, simple, sur tout ce qui est Celt et tout ça. Et donc actuellement, le jeu est à 4,33€. Voilà, il y a moins 30%. Il est à 6,19€ d'habitude. Et là, 4,33€, j'ai foncé directement. Classe Peggy 7, le jeu est disponible depuis le 2/6/2022. La taille fait environ 4,7 Go installé sur ma micro SD, 4,7 Go, ouais voilà. Et au niveau des langues, allemand, anglais, espagnol et tralala. Au niveau du jeu, donc là c'est le clan O'Connell et la couronne du cerf, tout simplement. Donc là le titre il est en anglais, mais Osef, on s'en fout, je vous l'ai traduit. Et on va voir ensemble. Donc pour moi c'est vraiment vraiment pépite. Donc manette, ouais c'est ça. Donc là on voit un peu, hop, audio, mode de jeu, on va mettre sur, ouais voilà, on va le mettre comme ça. Et on va commencer la partie. On va en reparler un petit peu plus après. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette intro? Franchement, moi de mon côté, je la trouve magnifique. Le son, on va pas dire qu'il est épique, mais dans le casque, qui rend, mais super bien. Alors mon avis ne sera certainement pas objectif, parce que moi j'ai kiffé directement. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'affiche du jeu, bah, j'ai cherché un peu à gauche et à droite. Donc le développeur et l'éditeur, c'est Hitgrab, si vous connaissez, tant mieux. Au niveau du jeu, on est sur un jeu de type plateforme, action, aventure, casse-tête. Donc pour moi c'est super intéressant. Et là on va voir ensemble les premiers pas. Et je pense que ça va être le fil rouge de la Gata TV. Alors t'aimes ou t'aimes pas, voilà, chacun ses choix. Moi personnellement je kiffe le jeu. Et comme je kiffe et comme je suis sur la Gata TV, et bah du coup on va dire que je peux faire un peu ce que je veux, non? Donc voilà. Donc maîtrise de l'arc, la lame et les poings, unis-toi pour sauver ton père de la mer des démons. Le clan O'Connell est une expérience de plateforme et de conception unique dans son genre. Alors avec le joystick, à ton avis lequel? Allez dis-moi dans les commentaires. Si tu sais, tu me le dis. Non vas-y, on va arrêter de jouer. Donc avec le joystick de gauche, voilà, je me permets de manipuler mon personnage. Donc là pour l'instant tu vois, je peux aller en dessous, la caméra suit, donc c'est super intéressant. Voilà, droite, gauche, y a pas de problème. Avec le joystick de droite, pour l'instant, je peux rien faire du tout là. Voilà, il n'est pas signé. Avec le bouton B, je peux sauter. Et là, on voit qu'avec ce personnage-là, j'ai un petit truc, ça servira certainement après. Avec Y, j'ai des coups. Voilà. Avec A, j'ai une sorte de riposte. Voilà. Je sais pas quoi ça sert pour le moment, mais. X n'est pas assigné. L, il est assigné comme une riposte. R, j'ai rien. ZL, ZR, pour l'instant, j'ai rien. Donc, on verra avec le temps. Donc la DA est vraiment magnifique. Regardez un petit peu, moi j'adore. Franchement, je kiffe à mort. C'est pas The Jeu, mais voilà, pour 4 balles 33 dans le mythe Celt. Pour moi, personnellement, j'adore. Voilà, tout simplement. Je pense que
Il y a de l'éclate et en plus comme c'est un mode puzzle, il y a de quoi s'éclater. C'est-à-dire que c'est pas du linéaire et tout ça. Donc on verra un peu ce que ça va donner. Et là, d'avoir le son dans les oreilles, il est vraiment énorme. Au niveau de la maniabilité, pour le moment là, quelques minutes de jeu, ce ne sont pas des hommes, ce sont des slags, des mormodiers. Voilà, comment ça a-t-il pu arriver? C'est mon peuple, mais leur âme ne leur appartient pas. D'accord. Donc pour l'instant, c'est très très jouissif. Voilà, donc on a des attaques. Donc là, il faut appuyer sur Y. Ok. Hop. Et on peut lancer là. Ah, du coup, j'ai trouvé un truc. C'est-à-dire que là, si tu prends... Oh merde. Donc là, il faut faire quoi? Ah oui, d'accord. Ah ok, bah ça sert à ça en fait. Ça sert à renvoyer les tirs ennemis. Les pommes et les jambons rétablissent la santé. Impeccable. On va voir un peu, donc là il n'y a rien à prendre. Ça reste un jeu de plateforme, donc bah, on va avoir des niveaux, hein, tout simplement. Mais si c'est, y a une complexité par rapport à ça, ça peut être intéressant. Allez, on continue. Impeccable. Mon cher frère, tu dois te dépêcher, le village est attaqué. Ah, du coup, on change de personnage. C'est vrai, t'étais absent pendant un bon moment, n'est-ce pas? Pas de soucis, je vais dégager le chemin et vous conduire au vieux monsieur en personne. Ah bah ça, c'est bien. Du coup, on peut changer de personnage. Donc, on aura peut-être un switch après, avec des nouvelles commandes. Donc, on appuie sur B et Y. Ah bah, on peut faire ça, nickel. Ok, bon là, on est sur le lourdeau, mais qui a de la patate. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'au niveau maniabilité, c'est pas ça. Mais par contre, il doit envoyer... Ok. Donc là, voilà, ouais c'est ça. En fait, ils sont en train de nous dire que si t'as de la résistance, bah avec lui, tu pourras tout péter. Impeccable, franchement, c'est nickel. Donc là, il y a quoi là? Là, je peux pas pour le moment. Ok, donc ils ont un système de colle. Et bah, pour l'instant, c'est pareil. Hein. Ok, donc là, avec Y. Ok, nickel. Là, on a vu qu'il collait. Parfait. Au niveau de la maniabilité, je reviens dessus, il n'y a rien à dire. Au niveau de tout ce qui est le son et tout, franchement, il est parfait. Même au niveau des effets, là, on entend. Contrairement à d'autres jeux, que j'ai pu critiquer récemment, un peu comme Chaos the Kangaroo et tout ça. Voilà, c'est vachement bien. Sachant que on est sur un jeu indé. Ça pose un objet lourd. Et plusieurs dynamiques dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'avec un seul personnage. Et pour moi, c'est tout bénef. T'as pas le temps de t'emmerder. C'est peut-être là le côté puzzle. Ah, je sens l'existence d'un étrange présage dans les bois. J'ai peur qu'un mal nous arrive. On n'a pas de temps à perdre. Désolé, petit frère, ton cul de tonneau est trop grand pour passer ses racines. Laisse-moi faire. Du coup, là, on a l'agilité avec... Ok, d'accord. Et carrément l'agilité. Et là, on n'est plus lourd du tout. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord. Ah, nickel. On a un arc et on peut tirer des flèches. Ok. Là, avec A. Donc, A est assigné à la roulade. Voilà. Super. Donc là, je peux faire... Ouais. Je peux monter directement dessus et prendre. Donc là, il faut viser. Impeccable. D'accord, le double saut. Donc avec le B, double saut, c'est vraiment nickel. Ouais, sauf que là, moi, il faudrait que je puisse... Ah oui, il me prend, il me fait cher quand même. Ok. Impeccable. Par contre, elle, elle est super maniable et tu le ressens dans la manette. C'est un truc de dingue. Hop. Ah, par contre, là, il va falloir faire super attention. Hop. Donc là, je pense qu'il faut attendre que lui il tire et après nous on tire. Par contre, ça, j'avais pas vu, mais on peut le faire comme ça. Hein. On peut carrément, hop, sauter et le faire. C'est super bah, c'est super intéressant, y'a pas à dire. Hop. Donc là, je pense qu'il manque de la vis, c'est pour ça que j'ai tout le truc rouge autour de moi. Là, j'appuie sur A, tranquille. Et franchement, graphiquement, il est super beau. La DA, elle est magnifique, quoi. Y'a rien à dire. Voilà, les personnages sont assez détaillés. Et l'environnement, il est super joli, c'est coloré, il n'y a rien à dire. Là, on a fini, on a validé la première mission. Durée
Ennemi 9 sur 9, impeccable, on a tout complété. Sincèrement, je pense que ça va être le fil rouge de la Gata TV pendant quelques temps. Je vais essayer de le poncer, ce jeu. Après, faut voir sur la durée de vie, mais 4,33€, même s'il n'y a que 2 heures de jeu, bah, c'est rentable, quoi. Ça fait 2 heures, enfin, ça fait 2 euros de l'heure, franchement, c'est impeccable. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. Hein. Le geek avant le fric, je suis pas sponsor, il n'y a que dalle, hein, d'accord. On m'a pas payé, c'est moi qui l'ai payé le jeu. Donc il a 6,19€, il a 4,33€ actuellement, faut en profiter. Donc là, je ne sais pas si... Du coup, ah ouais, en bas, il y a un truc là. Ah, j'ai pas vu ça. Ok, donc là, je pense... Ouais, ok. Donc c'est assigné avec ZL et ZR. Voilà, tout simplement. Et tu changes de personnage. Donc là, évidemment, il va falloir le lourdeau. Ah non, là, il y a un problème. Lui, il va falloir lui. Voilà, pour le tuer. Et ensuite, switcher pour pouvoir prendre là-haut. De toute façon, c'est dit, hein, il y a les commandes. C'est pour ça que je vous ai laissé les commandes pour éviter que ce soit trop galère. Ok. Et là, on prend l'agilité de la nana, comme ça on est tranquille. Tranquille. Là, je pense qu'il va nous falloir... Ouais, voilà. Et maintenir B. Ah, franchement, c'est magnifique. Ça se laisse jouer, mais vraiment, vraiment tout seul. Hein. C'est un truc de dingue. Comme ça, il est mort. Moi, personnellement, je vous le conseille. Hein, je vous le dis direct. Si vous voulez un petit jeu pour cet été, tranquillement, sans vous prendre la tête, bah, vous l'avez. Hein. Hop là, on va éviter de faire des bêtises. Parce que comme je sais pas la distance. Et là, je pourrais faire ça. Ah, du coup, les flèches sont pas si puissantes que ça. Hein. Et bien faire attention, parce qu'une fois que la flèche est lancée... Et utiliser les capacités de chacun. Là j'aurais pu le prendre directement, c'est dommage. J'ai pris en pleine poire et je sais pas pourquoi. Voilà. C'est l'action d'être synchro. Là, on va prendre le lourdeau. Avec son gros cul, comme disait sa frangine. Là pour l'instant il n'y a rien. Hop, je re-switch. ZL, ZR. Hein. Voilà. Là il va me falloir le mec à la cape. Merde. Le temps que ça arrive et le temps que je réagisse. Eh merde, j'ai perdu. J'ai pas fait attention. Pas grave. On a bouffé une bille. C'est pas dramatique. On est là pour se détendre, pour jouer. Et puis pour apprendre. Comme quoi, t'as pas besoin de mettre 60 balles dans un jeu pour te faire plaisir. Voilà la marve. On dirait un peu Obélix. Bon après c'est les mid-celtes et tout ça mais... Délire machin. Ah franchement pour moi je m'éclate. Hein. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais moi personnellement je prends du kiff. Voilà. Bon ça me permet, heureusement que j'ai pris le bon personnage. Bon, là ça va revenir je suppose. Et j'ai pas pris le... Je pense qu'avec elle il y a peut-être moyen. Non. Je sais pas s'il y a un truc à prendre là ou non, je pense pas. Ah si, il y avait un truc. Donc là, il y a quelque chose. Alors, je sais pas si c'est un gentil ou un méchant. On va voir. Non, c'était pas ni un gentil ni un méchant. J'adore comment il fait la machine. Allez, viens par là. Ouf, grosse mandale. Ouf, je suis pris cher. Allez, il va mourir. Allez, voilà. Intelligente. Donc l'attaque, je vais prendre plutôt lui. Ah, le fait de... On a quand même deux personnages longue distance. Donc c'est à prendre en considération. C'est vrai que je sens que lui, il fait courte et longue. L'autre est plus dans la précision. Parce qu'avec lui, tu peux pas vraiment te dire ce que tu peux faire. Enfin, je me comprends. C'est-à-dire que avec elle... Oula. C'était à parier. Voilà, avec lui tu peux pas tu vois, tu peux pas viser comme tu veux. L'autre tu peux viser. Mais c'est quand même intéressant d'en avoir deux. Là dans la maison il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Donc ça c'est les fameux. Là, je sais pas s'il va descendre. Et là au corps à corps, impeccable. Mais en plus lui il est super puissant au corps à corps, y'a rien à dire. Bon après on est dans les premiers niveaux, je pense que ça va. Putain, j'aurais pu le kill direct.
Voilà. Hop, là on va prendre le gros lourdeau. J'ai pas les noms, mais c'est pas grave. Je pense que pour les putains de ennemis là, le fait de switcher. Ah putain, par contre là tu vois, je perds en mobilité. Voilà. Hop, ensuite. Paye-câble. J'ai pas trop le choix. Ah, un peu de vie, ça fait du bien. Donc la caméra suit bien, c'est dynamique, y a rien à dire. Pour l'instant, je trouve pas trop de défauts. Dites-moi dans les commentaires si toi tu vois des défauts. Parce que du coup, comme je t'avais dit, hein, mon avis, merde. Mon avis sera peut-être pas forcément objectif, puisque du coup, je kiffe le jeu. Mais si toi tu vois des défauts, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Bah, ça m'intéresse. On récupère quelque chose. Donc là, on a le choix entre deux personnages. Donc là, ça va être ok. Ça va être baston, baston, baston. Et il faut faire attention. Hop. Je pense que celui-là, je vais l'avoir assez facilement. Ouais. La riposte n'est pas énorme, donc ça va. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas... On peut pas dodge. Ça, c'est ça. Hop, casse-toi. Va me percher. Voilà, faut faire attention aussi. Donc là, c'est du Y qui est dur. Hein. Y a pas. Là, j'ai pris cher. Par contre. Non. J'essaye hein, des techniques. Mais. Voilà. On va peut-être essayer de. Non, il va se remettre ou pas? Voilà. Donc là, c'était que du A et du Y non-stop. C'était de la frappe de bourrin. Fallait pas réfléchir, ça servait à rien. Et là on va essayer de trouver un middle boss ou un boss, on va voir ce qu'on peut trouver de bien. Et puis se lâcher là quoi, tranquillement. Puis continuer des runs tranquilles entre nous. Donc on peut quand même les tuer quand ils sont à terre, enfin les péter quand ils sont à terre. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'il y a pas mal d'exploration. Que du coup qui dit puzzle et tout, je pense qu'il y a des trucs à découvrir. Ok, donc là faut que je glisse ici, voilà comme ça. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure, avec elle je peux vraiment viser là où je pouvais pas viser tout à l'heure. Là il y a peut-être un truc par là. Ah non, là je peux pas par là. Peut-être avec elle si c'est possible. Voilà. Donc tu vois, comme je te dis, il y a une phase d'exploration. Et là on trouve quoi? Ah ok. On a trouvé quelque chose pour se nourrir. Ou de l'argent. Ok. Là c'est bon. Un pec, on continue. Donc jeu de plateforme traditionnel, mais qui fait le travail. Franchement, on aurait des jeux comme ça un peu plus souvent. Où c'est vraiment dynamique, on se fait pas chier. Après, le petit point négatif, je pense, c'est qu'on va avoir de la répétition. Dans ces jeux-là, tout ce qui est jeu de plateforme, généralement, on a de la répétition à mort. Mais comme il y a le côté puzzle, je me dis... Ah. Donc elle, c'est la mère des mon, hein. Merde. Ah, lui, il est costaud, mais... Je sais pas si je vais réussir à l'avoir. Ouais, peut-être.
Et sincèrement, je sais pas vous, mais moi quand je regarde le jeu, j'ai l'impression d'avoir un dessin animé sous les yeux, tellement c'est magnifique. Donc là, premier boss, chut, Ardini, détrompe-toi, ton père est loin d'être en sécurité. Une fois que le sort de cette sorcière à cornes sera dispersé, sa vie et ta couronne seront à moi. Évidemment, ça continue. Donc le fait de swapper avec les personnages, franchement, c'est magnifique, c'est super bien. La DA, donc la direction artistique du jeu, elle est magnifique pour moi, j'ai rien à dire. Ensuite, la prise en main, franchement, elle est super, super rapide et super intuitive, c'est impressionnant. Le fait de jouer avec ZL, ZR pour le swap des personnages, avec YA, les commandes qui sont assignées, le mapping en fait, en gros, est super cool. C'est-à-dire que t'as pas à te prendre la tête. Bon, là, j'ai mis les commandes pour la vidéo et tout ça, mais tu peux les retirer et puis jouer tranquillement sans les commandes. Mais t'as pas trop à réfléchir, à dire ah ouais, c'est quoi la combinaison. Un peu comme un Tekken, ça a rien à voir, hein, mais où t'as plusieurs combinaisons pour, en fonction du point ou du coup de pied que tu veux faire. Moi, personnellement, je kiffe à mort. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Après, à voir sur la longévité du jeu, mais ça, on verra ça ensemble, parce que du coup, bon, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais en faire un fil rouge pour continuer l'aventure. Donc là, on a pu voir, voilà. Donc là, on peut donner des niveaux supérieurs. Donc encore un truc qu'on n'avait pas vu dans la vidéo, je peux donner un niveau supérieur à un de mes personnages en fonction de ce que je veux, et ça donne santé, dégâts, chance. C'est super intéressant. Et on voit qu'il y a plusieurs trucs à, voilà. Donc on a ça là, par exemple, point de fureur volant. On a ça là, voilà. Donc on verra dans le. C'est pour ça. Je pense que en fil rouge, il va être pas mal. Il y a beaucoup à découvrir et il y a un très très grand univers. L'ambiance celtique, elle est magnifique. Le son du jeu, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Au niveau des coups de poing et tout ça, par rapport à d'autres jeux où c'est vraiment fadasse, où le sound, il est vraiment moisi, et ben là, j'adore à mort. Moi, personnellement, je vous le conseille. Donc, je vous ai présenté Clan O'Connell, and the Crow of the Stag. Excusez-moi pour mon anglais, mais bon, tu m'as compris. Et la couronne de serre, il est disponible sur l'eShop. Faites-vous plaisir. Je vous dis à bientôt sur Agatha TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.